N'aie pas peur de l'avenir. Laisse-le venir lui-même à toi. Autrefois, il y a longtemps, sur la terre, il n'y avait pas d'histoire. Le Dieu du ciel les gardait tout pour lui, là-haut, enfermé dans un coffre en bois. Or, comme bien d'autres avant et après lui, compère Caméléon avait grande envie de découvrir ses contes afin de connaître l'origine et la fin de toute chose. Grimpant sur la toile de son ami l'araignée, il fit subrepticement un trou dans le dessous du corps. Et c'est ainsi que les légendes se sont répandues sur toute la terre. Ils sont tous là, les animaux de la savane, réunis sous l'arbre à palabres. Tous, ils ouvrent de grandes oreilles. Comme pour qui ? Comme pour tous ! Qui me l'a raconté ? Grand-père Caméléon ! D'où viens-tu ? Je suis allé trouver le grand génie de la brousse et je lui ai dit « Oh, grand génie, toi qui veilles sur tous les habitants de la brousse, je veux te demander quelque chose. » Oh, et quelle chose ? Une seule chose, c'est que tu augmentes la puissance de ma cervelle. Oh, et pourquoi faire ? Pour avoir plus d'esprit que tous les autres animaux réunis. Si je le faisais, tu n'en aurais plus que moi. Thank you.
pensée. Ah, compère Guépard, que nous rapportes-tu de la savane? Ce matin, je me suis adressé à la terre en ces mots. Hé, la terre. Moi, je cours aussi vite que le vent, mais toi, tu n'avances pas d'un pouce. Pourquoi restes-tu toujours sur place? Et la terre me répond. Mais je ne reste pas sur place. Je cours bien plus vite que toi. J'aimerais bien voir ça que je lui dis. Jamais je n'ai fait de bond aussi puissant, long et rapide. Mais à chaque fois que je m'arrête, je vois la terre là, sous mes pattes. Alors je me remets à bondir de plus belle. Mais la terre est toujours là avec ses grandes herbes qui me chatouillent le ventre. Quelle imagination! À la dernière lune, je suis tombé nez à nez avec... Lièvre! En personne! Je lui ai demandé, où vas-tu ainsi, compère Lièvre? Je n'ai pas eu le temps de comprendre sa réponse, mais j'ai pu le suivre longtemps du regard. Et le voici qui court dans la brousse. C'est le lièvre, il aime voir du pays. Il n'est pas pressé de rentrer chez lui, même si c'est qu'un grand verre de lait. L'attend chez Dame Lièvre. Alors il court dans la brousse. Mais ce jour-là, le soleil tape fort, si fort que bientôt, le lièvre marche dans la brousse et s'écroule sur le sol. Il regarde autour de lui. Il ne reconnaît rien.
L'herbe qui était haute est devenue rare et desséchée. Et là, des ossements d'animaux. Ils se sont sans doute égarés. Il se dit qu'il va finir comme eux, qu'il ne reverra jamais son pays, ni sa femme et son verre de lait. Alors, dans un ultime effort, il lève les yeux au ciel. Et là, il aperçoit, loin, loin là-bas, la silhouette du baobab, immense. Comme chacun sait, ce sont des arbres sacrés magiques. Alors, ça lui redonne du courage. Il se met à ramper, à marcher et à courir vers lui. Quand il arrive à son pied, il s'allonge pour profiter de la fraîcheur de son ombre, ne bougeant que pour la suivre. Il fait bon ici. Il se sent tout ragaillardi. Qui sait ? Peut-être parviendra-t-il à rejoindre le village. Et il finit par s'endormir. Je crois qu'elle m'a sauvé la vie. Alors, tout en haut de l'arbre, les feuilles se mettent à s'agiter. Et il entend une toute petite voix. Qui es-tu ? C'est moi, le lièvre. Que fais-tu ? Je reprends des forces auprès de toi. Lièvre, si tu as aimé mon ombre, peut-être aimeras-tu mon fruit. Tu n'as qu'à demander. Oh oui, je veux bien goûter de ton fruit. Appelle Nalissa. Un pain de singe,
c'est le fruit du baobab, tombe de l'arbre. Il est tout noir et tout dur, pas du tout appétissant. Le lièvre mord dedans, poliment, et il se rend compte que le fruit est gorgé d'eau et de soleil, qui le rafraîchit jusqu'au plus profond de lui-même, lui redonne courage. Merci pour ton fruit, baobab. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Je veux bien le voir. À peine il a dit ça, le sol se met à trembler. Le tronc de l'arbre immense se sépare en deux. Et comme par magie, apparaît une entrée. Lièvre, tu es le bienvenu. Le lièvre se glisse à l'intérieur du tronc et voit le trésor du cœur de l'arbre.
Lièvre, prends ce que tu veux. Le lièvre contemple ses merveilles, c'est qu'il n'a jamais rien vu d'aussi beau. Enfin, puisqu'il faut bien se décider, il fait son choix. Une jolie petite paire de boucles d'oreilles pour sa compagne. Que tu es bête ! Moi, j'aurais tout pris. Et le lièvre crie du fond de son cœur à lui : merci, Baobab ! À nouveau plein de force et de courage, je rentre chez moi. Et il se met à courir. D'un geste maladroit est née la Voie lactée.